Yo tout le monde, on se retrouve pour la premier épisode d'une nouvelle série sur Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory. Alors aussi, il faudrait que je vous dise un truc. Au niveau du micro, de la qualité sonore, elle va bientôt s'améliorer car à Noël, je vais acquérir un micro. Et là, si je commande pas ce que je suis en train actuellement de faire dans le jeu, c'est que en fait j'enregistre par-dessus pour la première fois depuis la création de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous voulez je continue ça à enregistrer par-dessus. Donc alors dans Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory, j'ai un peu avancé, j'ai fait quelques trucs, j'ai presque rien fait. Et c'était juste pour vous épargner quelques trucs qui ne vous dérangent pas au niveau de la compréhension de l'histoire. Ah, et qui fait que perdre du temps et voilà. Donc là, je suis en train d'affronter. Je sais pas qui, mais il a un rapport avec le tombeau. Oh, et d'après ce qu'il a dit, juste avant que je commence la vidéo, il a dit que c'est lui qui m'avait appris à jouer aux cartes. Donc, ok. Alors, pour l'instant, le deck qu'on a au début, il est assez pourri, comme vous pouvez le voir, mais. En tout cas, il est assez fort pour pouvoir vaincre notre adversaire. Surtout s'il fait des fusions comme j'en ai fait il y a quelques instants. Tant cet adversaire ne fait jamais de fusion. J'allais dire quasiment, mais non, il n'en fait jamais. Et cet adversaire là. Ah, donc c'est vraiment très simple de le battre. Alors comme vous avez vu, quand je dois invoquer un monstre, je dois choisir entre deux types. Type lune ou soleil, par exemple. Alors, je ne sais pas ça sert à quoi, alors donc si vous pourriez me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, ce serait sympathique. Ça y est, on en est au niveau qu'on a gagné avec un rang S. Alors les étoiles que vous voyez ici. Ils vont nous servir à acheter des cartes. Parce que chaque carte coûtera des étoiles. Mais on peut aussi en gagner également des cartes comme là. On vient de gagner la plante ténébreuse. Et on peut voir aussi en combien de temps, en nombre de tours qu'on a battu l'adversaire. Vous avez gagné? Il semblerait que je vous ai bien appris les règles. Vous avez gagné loyalement, comme promis. D'accord, j'ai pas eu le temps de lire, c'est ça aussi commenter ne pas commenter en direct. Donc là, je vais me rendre dans le magasin de cartes. Un magasin de cartes, je précise, qui ne sert pas à acheter des cartes. Je vous demande, franchement, c'est logique. Hein, vous êtes d'accord? On peut juste modifier notre deck et sauvegarder. C'est tout ce qu'on peut faire. Et dans le magasin de cartes. Ouais, pour ceux qui seront intéressés de voir le deck de départ, regardez. Mais t'es pauvre par contre parce que je vais assez vite là. Donc. Aussi, je vais vous dire bye tout le monde, parce que ça va être la fin de cette vidéo. Oh, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Bye tout le monde.